traitement. On apprend à avoir une vision globale, à faire des points, à faire un bilan, à gérer un traitement. Mais je trouvais qu'il y a certaines, par rapport à certaines problématiques, certaines pathologies, la réponse, elle n'était pas assez directe, elle n'était pas assez rapide. Donc, du coup, je me suis demandé qu'est-ce que l'on pouvait faire pour essayer d'augmenter cette prise en charge, cette efficacité. Alors, j'ai découvert, par hasard, au fur et à mesure de stage, qu'il existait d'autres techniques de shiatsu. Ces techniques, on en apprend, donc soit on les apprend à la japonaise, on dit faites ceci, et puis après vous réfléchissez, soit on vous apporte une réponse immédiate. Et donc j'ai découvert différents styles de shiatsu. Donc actuellement, j'en pratique déjà 5, donc ce que je trouve pas mal déjà pour trouver des réponses. Et donc quand je reçois des clients, les personnes viennent me voir et me disent, bon ben voilà, aujourd'hui je viens pour tel problème. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alors, déjà, je leur dis, bah, écoutez, on va réfléchir, on va faire un bilan. Donc, ça, je ne vous apprends rien. Hein. Un bilan, on pose des questions, on observe, on palpe, on pose des questions sur les antécédents, sur les traitements qui sont faits, etc., etc. Et je leur donne trois réponses, on va dire, probables. C'est-à-dire, je leur dis, bah, écoutez, le shiatsu peut vous apporter une solution à votre problématique. Bon, très bien, la personne dit oui, non, pas de problème. Deuxième réponse que je peux donner, c'est le shiatsu ne peut que vous aider dans une prise en charge qui va combiner, par exemple, une prise en charge médicale et prise en charge par le shiatsu. Le shiatsu peut vous apporter quelque chose. Troisième réponse que je peux apporter aux personnes, c'est que le shiatsu ne va pas être la réponse à la problématique parce que je peux peut-être leur proposer mieux avec d'autres techniques. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Une personne qui vient de me voir, elle a vu que le shiatsu permettait de prendre en charge tout. Donc, elle me dit, ben, je viens pour une entorse de cheville. Voilà, entorse de cheville, c'est une déchirure d'un ligament. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à cette prise en charge? Ben, déjà, une déchirure d'un ligament, il y a un problème de cicatrisation. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, par la kiné, activer la cicatrisation? Je vous dis tout de suite, non. Par la kiné, on ne peut pas activer la cicatrisation. Par contre, par le shiatsu, je peux vous aider à essayer de nourrir mieux vos tissus, essayer de drainer plus les déchets qui résultent de la cicatrisation. Donc déjà, ça peut être un gros avantage. Par contre, le côté récupérer de la mobilité au niveau d'une articulation, ça, le shiatsu ne va pas pouvoir, je ne vais pas travailler dans les amplitudes, je ne vais pas travailler sur les déplacements articulaires, à moins que je ne connaisse une technique spécifique par rapport à ça. Jouer sur un aspect équilibre des tensions musculaires, je peux le faire un petit peu par le shiatsu, mais il y a peut-être d'autres techniques qui vont obtenir un résultat beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, voilà, ça peut être ce genre de réponse que je peux proposer aux clients qui viennent me consulter. Donc, ces réponses, je peux les donner parce que, à la base, j'ai une formation de kiné, mais j'ai une formation de spécialiste en shiatsu et que j'ai appris, si vous voulez, à comprendre les techniques que j'utilise, c'est-à-dire à les intégrer complètement. Donc, moi, je pratique le ko, donc le ko shiatsu. Il va me permettre de comprendre vraiment comment la personne a fonctionné. Je ne dis pas que c'est la seule technique, hein, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Dans toutes les techniques, tous les styles de shiatsu, on peut comprendre. Mais moi, c'est celle que j'ai apprise en premier. Donc, c'est celle qui me parle le plus. Par contre, j'ai appris d'autres techniques qui sont le Kinsei Setai, qui sont le Kuretake, le Hara, etc. Donc, voilà, j'ai plusieurs techniques. Et chaque technique va me permettre d'aborder un aspect différent d'une problématique. Un autre exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est dans la polyarthrite rhumatoïde. Bon, je pense que vous savez tous que c'est une maladie d'origine auto-immune, où c'est votre corps qui va attaquer votre système ostéo-articulaire, qui va donc favoriser une destruction des tissus articulaires et provoquer dans le temps des déformations. Et donc une perte de la mobilité, il y a tout un phénomène inflammatoire qui s'installe, il y a une perte des capacités de locomotrices, etc., etc. En plus d'un inconfort de vie. Ben, avec la kiné, je vais être bloqué
parce que je vais entretenir les amplitudes articulaires, mais les moyens pour lutter contre l'inflammation, pour lutter contre l'impact de la douleur, ben, ils sont pas suffisants. De mon point de vue, ça suffit pas. Et donc, c'est par le shiatsu que je vais apporter une réponse et ça marche très, très bien. J'ai d'autres pathologies, par exemple, ce qu'on appelle un lupus érythémateux. C'est donc pareil, une maladie auto-immune. J'en ai pas mal parmi mes clients. Et la kiné n'apporte qu'une réponse partielle. Et chaque fois, il y a donc l'approche du shiatsu qui me permet de développer. Donc, une grande aide par rapport à ce type de prise en charge. Donc, voilà un petit peu mon parcours pour vous dire que, à mon avis, le shiatsu, comme je dis à mes élèves, en fait, ne fait pas tout. Le shiatsu ne peut pas apporter à lui tout seul une réponse à toutes les problématiques que je peux rencontrer au niveau de ma clientèle. Donc, je pense, mais c'est mon avis personnel, que c'est bien déjà que l'on connaisse éventuellement plusieurs styles de shiatsu. Parce que chaque style, à mon avis, va présenter des avantages. Je ne vais pas parler d'inconvénients, mais va présenter des particularités, soit techniques, soit d'action, soit de cible, qui vont faire que je vais utiliser plutôt telle technique de shiatsu. Donc ça déjà, ça demande de connaître en fait toutes les implications liées à une pathologie. Ensuite, comme je vous ai dit, le shiatsu ne fait pas tout et il ne peut pas apporter toutes les réponses. Pour moi, quand je dois prendre en charge une personne, je dois tout viser. C'est-à-dire que je dois viser une harmonisation de l'ensemble de la personne, du corps. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une harmonisation, on va dire réflexe, une harmonisation énergétique, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ça veut dire aussi que je vais devoir essayer de jouer sur tout l'aspect musculaire, sur l'aspect articulaire, sur l'aspect digestif, émotionnel, tous les processus mentaux, la posture, la circulation, la lymphe, ce qu'on appelle le proprioceptif, c'est-à-dire le positionnement du corps dans l'espace, sur comment on contrôle ses propres articulations, etc., etc. Et il faudrait que je fasse tout ça en une seule séance. Et donc, je suis obligé d'optimiser, si vous voulez, ma prise en charge. Il faut que dans le laps de temps de la séance, je puisse jouer sur tous ces facteurs-là. Alors, on peut penser qu'avec une séance de shiatsu, je peux vraiment tout impacter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que si dans une séance, je dois travailler, on va dire, sur 30 minutes sur les muscles en utilisant les points que l'on peut tous utiliser, alors que je peux en 5 minutes résoudre un problème, je trouve qu'en fait, je vais utiliser une technique dite complémentaire. Si vous voulez, une technique complémentaire, pour moi, c'est une technique qui va pouvoir donner une réponse beaucoup plus rapide ou apporter une réponse que le shiatsu ne peut pas apporter. Voilà ce que je considère comme une technique complémentaire. Donc, j'utilise toujours une technique de base, qui est ma profession de spécialiste en shiatsu. Et là-dessus, ben, j'ai plusieurs techniques secondaires. Alors, moi, je ne vous conseille pas d'en avoir une multitude, mais en avoir quelques-unes qui ciblent les différents appareils que je vous ai parlé, exposés. Par exemple, cibler spécifiquement l'appareil musculaire, circulatoire et lymphatique, déjà, je pense que ça peut être déjà très, très bien. Surtout qu'avec le musculaire, on va pouvoir jouer sur beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si parmi vous, en fait, vous avez déjà rencontré des situations où vous vous êtes demandé qu'est-ce que je peux faire et le shiatsu ne pose pas de réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour. Bon, par contre, les questions, vous allez les transmettre et Daniel va les relayer. Donc, si vous voulez poser quelques questions, c'est le moment. Là, je vois déjà qu'il y a une question qui demande si... Pardon, Marc, j'ai un petit Oui? souci, c'est que je n'arrive pas. Elle m'a donné la main, Mireille, mais là, je ne connais pas. J'arrive pas à voir les questions. Alors, moi, je vois les questions. Je les vois, Je les de toute vois? façon. Oui, c'est Je bon, je les vois. vois. Ah bon, je suis Alors... désolée. Non, non, pas de souci, pas de souci. Je vais aller voir. Donc, on me demande par exemple si la vibration est une technique que j'utilise. Alors, la vibration fait partie d'une technique que l'on rencontre dans le Kinsei Setai. En effet, on peut utiliser cette vibration parce que une vibration, c'est donc une ondulation qui peut amener, quand on la cible, quand on la dirige vers une zone, à une détente musculaire.
Donc ça, en effet, c'est une technique que je peux utiliser, tout à fait. Donc, ce n'est pas exclusif, si vous voulez, parce qu'une pression, pour moi, peut être une pression qui peut mobiliser, par exemple, qui peut apporter une détente, qui peut faire un équilibre entre l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, etc., etc. Une vibration, une pression, pardon, pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est surtout le geste, comment il va s'effectuer, dans quel sens, dans quelle mesure, avec quelle intensité, quelle profondeur, c'est-à-dire quel va être le tissu concerné. Je vous donne juste un petit aperçu. Je ne sais pas si vous savez que si vous faites, par exemple, on va utiliser le terme de massage circulatoire et un massage lymphatique, vous savez que l'intensité de la pression ne sera pas du tout la même. En effet, si vous dépassez 5 kilos de pression à plat main sur un membre, bien vous allez écraser les vaisseaux lymphatiques et donc la circulation lymphatique ne peut plus se faire. Donc déjà, si je dois faire un drainage lymphatique, il faudrait que je dose ma pression. Si je dépasse cette pression, dans ce cas-là, je ne vais intéresser que le système circulatoire, puisque dans ce système circulatoire, je vais toujours avoir une tension. Si vous connaissez la tension artérielle, donc il reste toujours une pression qui maintient les vaisseaux ouverts, les vaisseaux dilatés. Donc déjà, rien que ça, au niveau application, ça va beaucoup jouer. Est-ce que parmi vous, il y en a qui rencontrent des problèmes par rapport à la prise en charge des demandes particulières? Okay, ils n'ont pas su trouver de réponse. Vous avez tout traité, vous avez de la chance. Moi, je n'ai pas su faire ça. Moi, j'ai des personnes de façon qui ont des problèmes psychologiques et j'en ai pas mal dans la bipolarité. D'accord. Alors ça, ce sont des problèmes en fait que l'on peut prendre. Alors, les problèmes comme ceci, donc ce sont des problèmes, on va considérer que ce sont des problèmes liés à la structure mentale, c'est-à-dire que le cerveau est structuré, il y a des connexions qui se font entre les neurones, et ces connexions, on va dire, ne sont pas optimales. Donc on ne va pas pouvoir modifier la structure cérébrale. Par contre, ce que l'on va pouvoir faire, c'est faire en sorte que la personne soit le moins dans les problématiques qui déstabilisent le mental. Si vous voulez, vous avez deux niveaux. Vous avez le côté émotionnel et vous avez le côté processus mentaux. Donc, les émotions sont comme des manifestations d'un déséquilibre. Donc, c'est très bien si les émotions sont quand même relativement linéaires, c'est-à-dire elles sont ni trop fortes ni trop faibles, si vous voulez, et donc vous êtes dans un juste milieu. À partir du moment où vos émotions vont être quand même exacerbées, on va rencontrer des problèmes donc dans la perception des choses, dans l'analyse des choses, dans la compréhension, l'intégration des choses. Donc nous, notre but, ça va être essayer de faire en sorte que les émotions soient le moins perturbatrices. Donc ce qui peut aussi perturber, c'est que les émotions, c'est très très fortement lié au système nerveux végétatif. Ce qui veut dire que une fois que le système nerveux végétatif, il va perturber Ouais, tout le plus. diamètre des vaisseaux sanguins, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, là où le sang va aller dans certains tissus, la gestion des inflammations, le rythme digestif, l'absorption des nutriments, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, des personnes vont présenter tels que de la bipolarité, des problèmes de ce côté-là, j'ai utilisé des techniques qui sont plutôt basées sur l'aspect réflexe énergétique. Donc vraiment un aspect purement utilisation des points tels qu'on les connaît, les tsubo avec la combinaison traitement symptomatique, traitement de fond, etc. Voilà le type de prise en charge que je vais pouvoir faire. Mais ce ne sera pas donc une technique complémentaire que j'utiliserai. Je n'utilise pas de technique, je veux dire, autre que digitale. Donc je ne vais pas faire de FT ou ce genre de choses. Je ne vais pas passer par le langage, si vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres types de prise en charge auxquels vous pourrez rencontrer des problèmes éventuellement? Oui, moi j'en ai une. J'ai une personne qui a fait un AVC
Donc, qui est paraplégique, avec essentiellement, c'est surtout sur une jambe. Alors, c'est quelqu'un qui en fait, selon les médicales, ne devait pas vivre. Donc, il se retrouve avec cette paralysie un peu de la jambe. Un peu de la jambe, et en fait, il a des brûlures, il a des crampes, mais de façon un peu inconditionnelle. Enfin, ça arrive, ça repart, et j'avoue que je patauge un peu. Et il faut dire qu'il a de moins en moins le moral parce qu'il n'accepte pas la situation, donc je pense que ça n'aide pas. Voilà, donc je suis pas. Je Alors, voulais prendre des conseils. juste une petite question. Est-ce qu'il se déplace ou pas? Oui, Il se déplace. il a retrouvé la marche, mais il est pas droit, bien sûr. Il est obligé d'avoir une canne, voilà, ce qui lui très mal. Mais oui, il pose la jambe. D'accord. Et est-ce qu'il a de la spasticité ou pas? Ben, c'est un peu limite. Le kiné y a travaillé, mais ça allait mieux et puis ça reprend. Enfin, il a un peu plus de mal maintenant. Dernière question, ça fait combien de temps qu'il a eu son AVC? 5 ans. D'accord. Alors, vous voyez Et il n'a déjà. pas été très bien suivi apparemment au niveau de kiné pendant longtemps, en fait, même s'il a été dans un établissement spécialisé. Il n'a pas eu beaucoup de massages, de choses comme ça. Et a priori, ça aurait été mieux s'il en avait eu plus. Voilà, maintenant, je coupe le son et j'écoute. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un AVC, la problématique est la suivante. Vous avez donc une souffrance du cerveau qui n'a pas eu d'irrigation, soit parce qu'un vaisseau a éclaté, donc il y a eu une hémorragie, soit parce qu'il y a eu un bouchon éventuellement dans l'appareil circulatoire et que le tissu cérébral n'a pas été irrigué. Le problème, si vous voulez, est le même. Donc nous avons une partie du territoire cérébral qui est morte. Donc le cerveau doit recréer des voies pour pouvoir recontrôler ce qui a été perdu. Donc ce sont des chemins, donc c'est la plastie cérébrale, c'est le fait qu'il y ait de nouvelles connexions qui se créent. Le problème, c'est que ces connexions ne seront jamais comme avant. Donc déjà, forcément, il y aura des séquelles. Ensuite, ce genre de pathologie va pouvoir être récupérée parce que si on fait un réapprentissage, c'est-à-dire qu'il faut volontairement rechercher la création de connexions. Donc ça passe par de la rééducation, donc ça, normalement, ce sont les kinésithérapeutes. Et le massage, en fait, n'intervient pas du tout là-dedans, puisqu'en fait, c'est de la gestuelle qu'on doit réapprendre. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à se servir d'un stylo, à écrire. Il faut absolument tout recréer. Le hic, c'est que le système nerveux ayant été endommagé, il y a des réflexes dans le corps qui sont inhibés. C'est comme ça, des réflexes qui sont inhibés par le système cérébral. Et là, malheureusement, il y a une désinhibition de certains réflexes ou alors une exacerbation de ces réflexes. C'est ce qu'on appelle en fait de l'hypertonie et c'est ce qu'on appelle la spasticité. Et ça va intervenir suivant un schéma, c'est-à-dire que par exemple au niveau de la jambe, la personne peut se retrouver avec une hypertonie des muscles qui lui tendent la totalité de la jambe, d'accord? Elle se retrouve avec une jambe qui est complètement tendue et on peut très bien ne pas arriver à l'appuyer. Chez d'autres, ça va être un réflexe plutôt où on va se retrouver en triple flexion, c'est-à-dire que la jambe va se replier sur la poitrine en relevant le pied. Ça, ce sont des réflexes. Mais qu'on ne pourra pas inhiber ces réflexes, vu qu'ils ne sont plus éteints, si vous voulez, on va plutôt essayer de faire en sorte que, comment dire, ils gênent le moins possible la vie de la personne. C'est-à-dire que quand vous êtes debout, si la personne se met debout, qu'elle a une spasticité qui lui plie la jambe, ça va être compliqué de se tenir debout. Si au contraire elle se met debout, que la spasticité lui tend la jambe, d'un certain côté, ça va l'aider. Mais quand il va s'agir de pouvoir avancer la jambe, ou au moment où il peut la plier, si sa jambe reste tendue, on a un problème. Donc voilà, on a ce problème en fait de gestion de la spasticité. Là, le massage, entre guillemets, j'utilise bien le terme de massage, va poser problème parce qu'on va exciter ce réflexe-là. Donc faire un massage comme si on pétrissait le muscle, ça va pas du tout, du tout aider. Ce que l'on fait en kiné, c'est qu'on va mobiliser le membre inférieur, c'est-à-dire qu'on va faire une alternance, on plie tranquillement, on tend tranquillement. Et on va faire ça à répétition pour que le réflexe petit à petit s'éteigne. Le hic, c'est qu'il suffit que la personne ressente une petite douleur ou une contrariété, une émotion, qu'il y ait une petite plaie,
qu'il y ait un petit trouble digestif et le système nerveux végétatif va redéclencher, va réexacerber en fait ce réflexe de spasticité. Donc en fait, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de lutter contre ce mécanisme-là. Donc si j'avais un conseil à donner, en fait, malheureusement, ce serait de faire des séances qui soient régulières et des séances qui servent à endormir le système neurologique au niveau du membre inférieur. Et il faut lutter contre tout ce qu'on appelle les épines irritatives, c'est-à-dire essayer de réguler à nouveau le système émotionnel, faire en sorte que l'appareil digestif ne soit pas une épine irritative, donc que la digestion se fasse bien, que les muscles soient bien nourris, que tout le corps soit bien nourri. Voilà ce que je conseillerais. Tous les troubles trophiques que l'on peut rencontrer au niveau du membre inférieur, c'est-à-dire des défauts de vascularisation, puisque le muscle ne va pas bouger forcément correctement, le retour veineux ne va pas être correct, toutes les sensations de jambes lourdes, ben justement, peuvent être une épine irritative. Le moral va être une épine irritative. Et tout ça, il faut lutter. Donc là, bon, par exemple, c'est une prise en charge complète. Par rapport à la posture, le travail postural, il peut être de deux types, c'est-à-dire je peux soit jouer sur les tensions musculaires, c'est une hémiplégie, c'est-à-dire c'est la moitié du corps qui est paralysée. Donc, c'est va être difficile de travailler sur un, comment dire, sur un équilibre de musculaire, puisque déjà, il y a un déficit de contrôle, je dis qu'on ne récupérait jamais complètement. Par contre, ce que je peux faire, c'est un travail dit proprioceptif. Si j'avais une technique qui disait au corps, allez, ici, il faut que j'appuie un peu plus sur ce pied-là que sur l'autre. Si j'ai une technique, éventuellement, me permet de déverrouiller, parce que si j'appuyais plus sur un pied que sur l'autre, forcément, par un principe de pyramide, si mes pieds ne se positionnent pas bien, si je suis plus appuyé sur mon pied droit, ça va se ressentir sur le reste de la colonne. Donc, du coup, j'ai des vertèbres qui peuvent se verrouiller. Donc, en déverrouillant, par exemple, des vertèbres, je peux essayer de libérer la partie basse, faire le chemin inverse. Donc, ça, c'est des techniques dont je vais vous parler là par la suite. Donc, là, vous voyez au travers de de ces deux exemples que vous nous avez présentés, en fait, c'est peut-être bien d'avoir des techniques complémentaires. Là, je vois dans les questions des problèmes, par exemple, de Ludivine, elle parle des jambes sans repos, par exemple. Les jambes sans repos, ben, il y a deux origines. Alors, comment vous allez savoir quelles sont l'origine des jambes sans repos? Alors, l'une des origines, c'est déjà la circulation. Ce sont liées à des lourdeurs liées au retour veineux qui ne se fait pas correctement. Et on a donc envie de bouger. Et jambes sans repos, ça va intervenir au moment où vous ne contractez plus les muscles. Donc, c'est quand vous êtes allongé, par exemple, le soir après une journée d'activité. Ça, c'est la première origine. Deuxième origine, c'est neurologique. Ça, c'est quand vous avez des problèmes de colonne vertébrale et vous avez, par exemple, un conflit avec les racines nerveuses. Ben, si vous n'identifiez pas la cause correctement, eh bien, les traitements que vous allez faire ne seront pas corrects. Autre question par rapport à la. Alors, Thomas, je répondrai donc après à ta question. En cas de maladie de Parkinson, la maladie de Parkinson, c'est pareil, c'est une maladie qui touche le cerveau. Le cerveau manque d'une substance qui est la dopamine et on ne peut pas la créer. C'est-à-dire, on ne peut pas, si le corps ne la fabrique pas, ça ne marchera pas. Donc, on est obligé de faire une supplémentation via les médicaments. On n'a pas d'autre choix. Les répercussions de la maladie de Parkinson sont multiples, hein. Elles sont pas simplement locomotrices. Pour information, des personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson ont des troubles du raisonnement. Ils peuvent avoir aussi des hallucinations. La dopamine ne sert pas que à bouger. Elle sert aussi à penser. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, on va le voir. Je vais vous parler maintenant de différentes techniques que l'on, enfin, différentes catégories de techniques qui pourraient vous apporter de l'aide. Et je vais vous cibler plus ou moins l'impact de chaque technique. Alors, on va classer, si vous voulez, les techniques en deux. Alors, en deux, pourquoi? Parce que déjà, à la base, vous pratiquez le shiatsu. Et donc, il y a des techniques complémentaires que vous pouvez obtenir grâce au shiatsu. C'est-à-dire que, moi, je vous ai dit, ma technique de base, en fait, c'est le Kuo Shiatsu.
J'ai appris le Kinsei Setai. Le Kinsei Setai, c'est une technique posturale. Le principe, c'est que nous sommes sur la planète Terre. Bon, je ne vous apprends rien, hein, je suppose. Donc, on est sur la planète Terre et nous subissons la gravité. Et nous allons réagir en fonction de la gravité. Il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, tout est conditionné par nos organes des sens. Nos organes des sens, par exemple, c'est la vue, c'est l'audition. Et donc, ça nous oriente vers ce qu'on fait dans un schéma qui est avant-arrière. À force de vivre dans ce schéma avant-arrière, ça va être fatigant pour l'organisme parce que nous faisons toujours travailler les mêmes muscles. Au bout d'un moment, notre posture va se retrouver modifiée et puis du coup, pour soulager ces muscles antéro-postérieurs, on va se mettre plutôt en appui sur un côté. On va soulager un côté et l'autre pourra se... Donc un va travailler et l'autre va se reposer. Donc on va partir dans un déséquilibre qui va être latéral. Donc par exemple, on s'appuiera plus sur le pied gauche que sur le pied droit. C'est un exemple. Mais cette position, au bout d'un moment, va devenir fatigante. Donc du coup, on va essayer plutôt de se visser. Et dans ce cas-là, le corps va se présenter en vrille. Et notre corps, ben, va commencer à ne plus pouvoir lutter contre la gravité. Donc là, si vous voulez, je vous ai cité trois étapes où le corps va commencer à fatiguer, à se dégrader et à présenter des défauts, ben, par exemple articulaires, mais il sera forcément un impact sur le système digestif, par exemple, ou sur l'appareil urinaire, etc. On va commencer à présenter des troubles digestifs. À partir du moment où on a passé ces trois premières phases, ben le corps va essayer de ne plus utiliser ses muscles. Dans ce cas-là, on va se suspendre à ses ligaments, on va se mettre sur les jambes qui sont en hyperextension, par exemple. On va essayer d'empiler les vertèbres, on va se retrouver avec la colonne qui va partir en hypersyphose ou qui va partir en hyperlordose, etc., etc. Donc, le Kinsei Setai, c'est une technique qui essaie déjà de vous sortir petit à petit de ces schémas, vous ramener dans un schéma où vous comprenez, où le corps comprend ce que c'est que la gravité et permet de retrouver un corps qui est fonctionnel, où ça va allier l'organique, ça va allier le postural, ça va allier le locomoteur, etc. Et il y a plus ou moins deux niveaux dans la pratique du Setai. Il y a le niveau où on va traiter les problèmes aigus. Par exemple, j'ai une personne qui vient complètement courbée parce qu'elle s'est bloquée le bassin ou elle a un problème d'estomac qui fait qu'elle se retrouve, elle est complètement pliée en deux pour essayer de soulager l'estomac. Je vais essayer de la sortir de cette posture tout en traitant la cause. C'est donc un traitement, disons, aigu. Puis après, j'ai la deuxième phase où je vais plutôt traiter un problème qui s'est installé avec le temps. Comme je vous ai dit, la fatigue liée à la profession. Lié à des loisirs, à ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà ce que c'est que le Kinsei Setai. C'est une technique qui utilise des pressions qui sont soit simples, c'est-à-dire des pressions tout simplement, on respecte la perpendicularité comme en shiatsu, mais dans le deuxième niveau, dans le traitement de fond, les pressions seront travaillées. C'est-à-dire que des pressions elles sont très particulières dans l'exécution. Il y a une notion de rythme, de profondeur, de tangentialité. Si je veux mobiliser plutôt la structure, si je veux plutôt équilibrer entre le côté gauche, le côté droit, etc. Si je veux plutôt affaiblir un côté et tonifier l'autre côté musculaire. Voilà un petit peu ce que représente le Kinsei Setai. C'est une technique que je pratique très très régulièrement et franchement qui donne une solution à pas mal de problèmes. Donc ça, c'est une première technique. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent cette technique-là. Il y en a qui connaissent? Non, Oui, mais Bertrand? Ok. je disais Pierre non, aussi? mais c'est en fait ce que je fais en shiatsu, moi. En shiatsu, tu peux avoir. Alors, comment te dire? Est-ce que tu le fais que uniquement vertébral ou est-ce que tu le fais parce que c'est du shiatsu, hein?
Oui, ben voilà, c'est pour ça, c'est quand tu as expliqué ce que c'était, je ne vois pas vraiment la différence qu'il y a avec du shiatsu quand on comprend ce que c'est le shiatsu, quoi. Et qu'on n'a Alors, pas forcément bêtement un protocole ou des choses comme ça, quoi. c'est le Kinsei Setai observe donc les déformations. En fonction de la déformation du déséquilibre, on va travailler certaines vertèbres et pas d'autres. Cette technique est basée sur l'observation de la personne, de la déformation, mais pas sur la palpation de la personne. Ok, et donc on est sur du local, plus du local que sur du global. Non, parce qu'on considère donc que si tu en appuies sur l'avant des pieds, ce sera par exemple telle vertèbre et ça impliquera telle ligne de tension, etc. Si tu es plus en appui sur les talons, ce sera d'autres vertèbres. Par exemple, on considère que la vertèbre L1, c'est la vertèbre de la flexion. La vertèbre L5, c'est la vertèbre de l'extension. L2, la vertèbre de l'inclinaison. L4, la vertèbre de la bascule du bassin. Donc, il y a toute une vision qui est presque à la limite de l'ostéopathie. Et quand tu dis on considère, c'est par rapport à quoi? À l'observation empirique ou il y a des... Alors non, ce n'est pas l'observation empirique. En gros, c'est comme de la chiropraxie. D'accord. Donc non, ce n'est pas la vision empirique, tout à fait, pas du tout. Ok, merci. Donc voilà, là c'est par exemple, donc c'est une approche posturale pure. Alors, peut-être pour faire suite à ce dont Pierre vient de parler. Il y a une autre technique, on a eu pas mal de stages en France qui ont été effectués, c'est le curetaké. Je pense que pas mal parmi vous connaissent le curetaké. Je pense, oui. Bon. Alors, le curetaké, c'est on vise le travail musculaire. On a eu pas mal dans les formations. Vous avez notamment, c'est Masanori Okamoto qui fait les formations. Donc, vous savez qu'on cible par rapport à la posture de la personne qui pratique, que la posture doit se faire. On aide un renfort de pouce sur pouce, on fait un renfort du genou contre le coude, etc. On veille à ce que la personne qui pratique ne se fasse pas mal. Ensuite, on fait en sorte que le travail ait une profondeur, on fait un maintien de pression ou pas, il y a une entrée, une sortie, on peut faire des entrées par plateau, etc., etc. Mais tout ça, c'est le geste technique. Qu'est-ce qu'on peut faire franchement avec le curetaké? Bon, déjà, il y a une visée musculaire. Ça, c'est la visée principale. Visée musculaire, mais dans quel but, dans quel mode d'application? Par exemple, si j'ai un problème de dos, je peux très bien choisir tous les gestes qui me permettent de travailler sur les muscles qui contrôlent le dos. Par exemple, je peux travailler sur les muscles le long de la colonne, les muscles paravertébraux. Je peux travailler sur les muscles des membres qui s'attachent sur la colonne, par exemple le grand dorsal, les rhomboïdes, tout ça, c'est des muscles qui des membres sur la colonne, donc il peut avoir un impact. Donc éventuellement, je peux me servir de cette technique-là pour déverrouiller, pour essayer d'équilibrer l'avant-l'arrière. C'est un peu plus complexe, parce que ça veut dire que je dois connaître profondément tous les muscles sur lesquels je vais devoir travailler. Alors que la technique de Kinsei Setai va être plus proprioceptive. Ce sont des informations que je vais donner au corps, tandis que dans le curetaké, ce ne sont pas des informations. Je vais travailler directement sur les muscles, à viser de détente, à viser de drainage de ces muscles, donc en jouant sur la circulation. Donc ce n'est pas le même principe. Donc au travers de ces deux techniques, je peux chercher le même but, mais par contre, peut-être qu'avec l'un, ce sera plus rapide qu'avec l'autre. Dans le curetaké, l'avantage, c'est que je peux faire du segmentaire. Je peux travailler un problème d'épaule, par exemple. Je peux travailler un problème de membre ou travailler exclusivement le dos, ce que je ne peux pas faire avec le Kinsei Setai, puisque ce n'est pas la visée principale de cette technique-là. Autre particularité du curetaké, c'est que je peux travailler sur l'appareil circulatoire. En effet, je peux travailler sur le fait d'aller irriguer sur les tissus en faisant descendre le sang et en faisant remonter pour drainer en fait les muscles, par exemple.
Mais je peux faire aussi un drainage lymphatique. Je ne sais pas si parmi vous, ceux qui pratiquent le curetaké, vous saviez ça, que l'on pouvait faire justement un drainage lymphatique avec le curetaké. On peut travailler sur la fibrose musculaire, etc., etc. Donc, juste pour avoir un ordre d'idée, est-ce que parmi vous, il y en a, dans quelles conditions vous utilisez le curetaké? Pour quel type de problématique? Bonsoir Mireille. Personne ne pratique le curetaké? Je vois qu'il y en a qui ont Il y subi. a un petit peu pour des raisons, bah, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, par rapport au dos, au musculaire et au niveau des jambes, justement, quand il y a ces problèmes de circulation lymphatique avec la Avec la pression pression. englobante, etc. Voilà. Alors, tu fais attention à ne pas dépasser les 5 kilos, hein, pour le lymphatique. Sinon, l'effet va être un peu limité. Oui. Non, il faut juste savoir que c'est épais comme un cheveu, un vaisseau lymphatique. Et Et tout à fait. quand on commence avec cette idée-là en tête, c'est sûr qu'on maîtrise, enfin, on y va plus doucement. Oui, tout à fait. Donc voilà, par exemple, donc vous avez vu entre deux techniques, donc le Kinsei Setai, qui va être, je vous dis, proprioceptif, on donne des informations au corps, et le curetaké, on peut obtenir un raisonnement un petit peu plus complexe pour essayer d'arriver sur le travail postural. Donc bon, voilà, ça c'est deux aspects. Donc, par exemple, moi, je ne pouvais pas traiter avec le Kō Shiatsu. Ça, c'est quelque chose, ben, je n'avais pas de réponse à apporter par rapport à ça. Donc, voilà, par exemple, le hara. Donc, autre technique, le travail sur le hara. Je pense que tout le monde, à mon avis, travaille sur le hara. Moi, la technique que j'ai apprise me permet de faire un travail organique. Ben, écoutez, mais il permet de travailler aussi sur la posture. Ben, pourquoi? Parce que dans le ventre, il y a des muscles qui s'attachent sur la colonne vertébrale. Et donc, je peux travailler, par exemple, sur le diaphragme, sur le psoas, sur l'iliopsoas, etc., sur les abdominaux. Et je peux essayer de réguler et d'impacter la posture. Quand on avait fait un stage, c'était à Bambassé, on avait fait les premières rencontres du syndicat, on avait fait un petit test, une petite expérience où justement les personnes ne s'étaient même pas rendues compte qu'en travaillant sur le hara, vous pouviez impacter la posture. Et les gens étaient assez, les participants étaient quand même assez bluffés de voir que rien que par ce simple petit travail, je pouvais jouer sur la lordose lombaire. Ben, voilà, c'est une application en sachant comment je vais appliquer les pressions, pourquoi je vais appliquer les pressions, dans quel sens, etc. Ben, je peux impacter tout l'organisme. Mais ça demande en fait de toujours pareil de maîtriser cette technique. Donc là, je vous ai parlé jusqu'à présent des techniques complémentaires. Marc, pardon, Oui. ça peut agir aussi sur les scolioses très marquées ou... Alors, ça dépend en fait de quand date les scolioses. Parce qu'une scoliose, donc c'est une, ça peut être alors la vraie scoliose ou l'attitude scoliotique. Donc l'attitude scoliotique, elle intervient parce qu'il y a un déséquilibre musculaire peut-être lié à l'activité, mais la colonne n'est pas rigidifiée. Les ligaments ne sont pas encore rétractés, les disques ne se sont pas encore suffisamment fibrosés. Donc, il y a une correction qui peut être amenée. Par contre, quand il s'agit d'une scoliose qui, de l'enfance et qu'on prend la personne alors qu'elle a déjà 30 ans, là, malheureusement, on ne peut que lutter contre les tensions musculaires. Mais on ne pourra pas réguler. Ce n'est pas ce genre de technique en fait que l'on pourra utiliser. D'ailleurs, à ce propos, si vous prenez des enfants qui sont en charge, des enfants en charge par rapport à une scoliose, il faut savoir que il ne faut surtout pas chercher à assouplir la colonne vertébrale, parce que justement, ce que l'on cherche, c'est à enraidir la colonne vertébrale, parce que les os grandissent plus vite que les muscles. Donc si les os grandissent plus vite que les muscles, imaginez la colonne vertébrale qui grandit, mais les muscles qui sont plus courts et les muscles qui deviennent avec des tensions qui sont asymétriques. Si j'assouplis la colonne vertébrale, ça va toujours aller dans le sens de la déformation. Donc il faut faire attention aux pressions que l'on exerce sur le rachis chez un enfant, dans ce genre de cas, parce que du coup, on va accélérer le processus et donc ça va aller inévitablement vers le port d'un corset.
Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça. C'était juste une petite remarque en passant. Donc voilà, je vous ai parlé en fait des techniques, on va dire, ce que je considère comme complémentaires, par exemple, mais qui relèvent donc, qui sont des techniques de shiatsu. Maintenant, il existe des techniques non shiatsu qui peuvent apporter une réponse. Mais dans votre formation, je pense que vous avez tous parlé de diététique. La diététique, c'est en gros comment essayer de compléter notre action en apportant certains nutriments, en essayant de sortir la personne d'un certain schéma, par exemple un schéma qui fait que ça peut être une acidose, par exemple. Cette acidose qui va favoriser les inflammations, des problèmes articulaires, etc., etc. Donc, on se sert beaucoup de la diététique pour faire ce genre de choses. Donc, ça peut être une technique complémentaire. Bon, je ne vais pas m'attarder sur celle-là. Il existe d'autres techniques, le doin. Alors, le doin, c'est vulgairement, on peut appeler ça de l'auto-shiatsu. Mais moi, je n'appelle pas ça du shiatsu, je suis désolé. Parce que le doin, c'est l'auto-shiatsu n'est qu'une petite partie du doin. Pour moi, le doin, ça joue sur tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'énergétique, qu'on peut appeler le réflexe, sur l'aspect musculaire, articulaire, digestif, sur l'émotionnel, la réflexion, le circulatoire, le lymphatique, sur le proprioceptif. Ça peut jouer sur tout. Quand moi, je fais la formation en doin, déjà, quand on voit un exercice, les élèves, ils doivent analyser l'exercice, c'est-à-dire ils doivent être capables de dire quel est le but de l'exercice, en quoi il va agir. Donc, je considère qu'en fait, le doin est une technique complémentaire, soit parce que nous allons pouvoir la faire en cours collectif, soit parce que la personne, je vais pouvoir lui donner des exercices à faire chez elle pour compléter l'action que j'aurais induite avec ma prise en charge en shiatsu. Donc, je considère que ça peut être une technique complémentaire. Mais il faut savoir, en fait, cibler. Et les exercices sont toujours évolutifs. Ils vont toujours. Il y en a quelques-uns qui vont être récurrents, mais d'une séance à l'autre, je peux conseiller changer les exercices à la personne. Juste, Gilles, pour répondre à ta question, le shiatsu est bien en effet une technique à part entière, sauf que par exemple, elle ne va pas jouer sur l'aspect énergétique à mon niveau. Je considère qu'elle ne va pas jouer sur le côté réflexe. Elle va plus avoir un impact sur le côté musculaire, vasculaire et lymphatique. Et par effet rebond, si tu veux, sur le côté postural. Par contre, elle ne jouera pas sur, à mon avis, ça reste mon avis, sur le côté émotionnel, sauf en jouant, en essayant de lénifier le système nerveux végétatif. Mais l'impact ne sera pas suffisamment ciblé, puisqu'on ne travaille pas spécifiquement sur des points dans une combinaison telle qu'on peut l'utiliser, deuxième ligne de vessie, je joue sur telle émotion, etc., etc. Voilà, c'est juste par rapport à ça que je vais dire que pour moi, c'est une technique complémentaire ciblée. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas un shiatsu à part entière. Donc, voilà, en technique non shiatsu, donc j'ai dit le doin. Il y a des personnes qui connaissent le Qigong. Le Qigong, si vous connaissez, ça peut être une technique complémentaire en cours collectif, par exemple. On pourrait dire que le yoga en est une autre. On peut dire que le Sokuhatsu, si vous savez ce que c'est que le Sokuhatsu, c'est que c'est une technique qui, au lieu de se pratiquer avec la main ou avec le pouce, c'est une technique qui se pratique avec le pied. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rassure, on ne marche pas sur les personnes ne nous servent pas de paillasson. C'est une technique où on va faire des pressions qui sont comme en shiatsu, qui sont perpendiculaires. On peut faire des pressions, donc ça va dégorger, si vous voulez, le muscle, avoir un effet circulatoire, un effet. Alors lymphatique, non, parce que là, on dépasse largement les 5 kilos de pression. On va utiliser des frictions et bah, c'est une technique que je peux utiliser, par exemple, chez des sportifs qui sont, qui ont des cuisses qui font la taille de mon tronc. Et là, moi, avec mes petites mains, mes petits doigts, je suis désolé, mais j'ai l'intention de garder mes pouces jusqu'à ma retraite, ou même plus longtemps. Donc, je pense qu'en travaillant avec le pied, déjà, je vais moins me fatiguer et je vais pouvoir avoir un effet de drainage, aller plus profondément dans les tissus, toujours en restant sans léser les tissus et en infradouloureux.
Donc là, par exemple, c'est une autre façon d'avoir une autre corde à mon arc pour avoir un effet beaucoup plus bénéfique. Le Sokuyatsu, je le pratique un petit peu moins, mais c'est quand même nettement, c'est à connaître. Donc c'est pas du shiatsu puisque ça se fait avec le pied. Après, je ne sais pas si vous connaissez le sotai du docteur Hashimoto. Est-ce que ça vous parle, ça, le sotai? Non? Alors, le sotai, c'est une technique qui est. Ah, je vois que Gigi connaît le sotai. Le sotai, c'est une technique qu'il a mise au point. C'est une technique relativement moderne. Hein. C'est un médecin qui l'a mise au point. Je trouve qu'il est quand même. Allô? Oui, je ne sais pas qui parle. Oui. Il est fermé ton. C'est Daniel qui parle. Il est fermé. Ah, pardon. Non, c'est pas grave, Daniel. On sait que tu es là et que tu n'es pas encore à l'apéro, c'est Alors, le sotai, qu'est-ce que c'est comme technique? Alors, c'est une technique qui sert à rééquilibrer le corps, mais par le mouvement facilité. Alors, je suis sûr qu'en fait, si je vous donne cette définition-là, ça ne vous parle pas du tout. C'est une technique qui est basée sur un réflexe neurologique. Et qui part du principe que quand je veux décontracter un muscle, ben je vais demander une contraction du muscle antagoniste. Et donc, du coup, par ce réflexe neurologique, c'est basé sur la physiologie humaine, hein, je vais obtenir un état de détente et ça va me permettre de libérer certaines tensions musculaires, de libérer une articulation complète. Rien que par cinq contractions, je vais pouvoir essayer de rééquilibrer une articulation. Et donc, je peux me servir de cette technique pour rééquilibrer, par exemple, une articulation ou l'ensemble du corps. Le but aussi, c'est d'essayer d'être en équilibre, comme je vous disais, par rapport au kinésithésie, par rapport à la gravité. Donc, il y a des tests que l'on peut faire où on verra que vous ne savez pas où servir de votre corps. Moi compris, hein, ça, je suis un être humain aussi, je prends de l'âge, je me rends compte que je suis plus en appui sur mon pied droit, que j'ai un genou qui flanche, etc., etc. Donc le sotai, c'est cette technique, on a une technique un petit peu similaire en kiné qui s'appelle le kabat, mais personnellement je préfère beaucoup le sotai au kabat. Ces techniques sont relativement faciles à apprendre, mais qui sont basées sur des gestes très codifiés, et qui parle à l'ensemble du corps. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des techniques dites de levée de tension dans leur pratique? Non? Et pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? Vous faites bien des étirements, éventuellement, de temps en temps. Donc, vous étirez peut-être le mollet, vous étirez peut-être le quadriceps. Dans votre pratique du shiatsu, vous ne le faites pas? C'est bien une technique de levée de tension aussi, mais basé sur le simple fait que j'allonge le muscle. Et je ne passe pas par cette coordination, si vous voulez, par ce réflexe neurologique. Donc, vous voyez, c'est une approche qui est différente, mais pourtant, vous avez visé la même chose. Vous avez visé un muscle. Par contre, avec le sotai, si je voulais détendre le quadriceps, eh bien, j'irai voir les ischios jambiers. J'irai demander une contraction des ischios jambiers dans une certaine position. Parce qu'il faut que je les mette en tension dans leur plus grande longueur, etc., etc. Donc voilà par exemple ce type on va dire, de techniques que je dirais complémentaires. Vous avez des techniques, en plus je vous ai dit, techniques shiatsu et des techniques non shiatsu. Oui, Pierre. Oui, je disais très bien, mais ça implique une connaissance de l'anatomie, du coup. Alors le sotai, non. Le sotai, non, parce que justement, ce sont des gestes qui sont codifiés. Le kuretake demande des connaissances en anatomie, mais le sotai, pas spécifiquement. Ça demande en fait un travail principalement sur alors on va dire, connaissances flexion, extension, ce genre de choses. Sur des mouvements plutôt que sur de l'anatomie précise. Oui? Madame Blanda. Hélène, donc pour ça, je vais témoigner parce que j'utilise tout le sotail, en particulier pour les raideurs du cou.
Et c'est très simple à mettre en place, en fait. C'est quelque chose, on n'a pas besoin de grandes techniques, ce sont juste des gestes codifiés, oui, avec la respiration. Et c'est une efficacité incroyable et durable. Donc, vraiment, je conseille de faire une petite formation Flowtime. Moi, je l'ai appris en un week-end avec quelqu'un qui peut pratiquer beaucoup. Et c'est vraiment, ça change beaucoup par rapport à faire des étirements pour certaines conditions, bien Oui. sûr. Mais j'ai aidé énormément de personnes à sortir de raideurs et de contractures musculaires grâce au Flowtime. Alors, en effet, alors je suis tout à fait d'accord. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'en fait, je trouve qu'en 2 jours, c'est hyper dense en 2 jours. Parce que de voir toute la technique en 2 jours, c'est. Parce qu'il y a le sautail et l'auto-sautail. Est-ce que vous pouvez faire vous-même et est-ce que l'on peut faire sur les personnes? Il y a deux aspects, en fait. Je dois utiliser juste une version simplifiée sans doute, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Tout à fait. Oui. Juste alors, j'ai une question de Thierry qui demande, est-ce que dans notre étirement, est-ce que dans un relâchement doux, on ne fait pas du sautail? Alors, ben déjà, je vous ai dit, quand vous étirez le quadriceps, c'est le quadriceps qui vous intéresse. Tandis que dans le sautail, c'est sur les ischio-jambiers que je vais travailler sur le muscle antagoniste. Et pas sur le quadriceps. Donc, je cherche le réflexe neurologique. Donc, il n'y a pas d'histoire de relâchement doux ou pas. Et alors, la myoénergétique. Donc, la myoénergétique. Alors, il faut savoir que le sautail n'appartient pas à la myoénergétique. La myoénergétique, c'est Iwaoka qui fait qui a mis en point, si vous voulez, cette technique de shiatsu. C'est comment dire, la myoénergétique, pour avoir fait la formation, je mettrai juste un petit bémol, parce que les pressions sont écrasantes. Dans le sens, en fait, elles lèsent les fibres musculaires si elles sont vraiment trop fortes, et la limite est très vite dépassée. Donc, le principe de la myoénergétique, si vous voulez, le fait de retirer toutes les tensions musculaires pour rééquilibrer la posture, le principe, je le considère comme bon. Par contre, en tant que geste technique, je le trouve un peu trop lésant. Voilà. Mais ça reste mon avis personnel. Par rapport à la question de Ludovic, par rapport au Sokuhatsu, alors les gens tout de suite ont un a priori, en effet, parce que avec le pied, ah, quelle horreur! Alors déjà, on n'a pas le pied nu. En fait, on a un tabi-kaba, donc c'est une surchaussette spécifique, et ça se fait toujours sur les vêtements, comme en shiatsu. Et on a fait le test, donc lors d'un salon, par exemple, d'un salon bien-être, on a proposé donc de faire une partie sokuhatsu et une partie shiatsu pour montrer un petit peu ce que c'était. Et les gens leur ont demandé si ils se rendaient compte que c'était un pied. Eh bien, pas du tout. Ils étaient assez bluffés de se rendre compte que ben non, pas du tout. Le pied, il est à plat. On joue sur la tranche, on joue sur le gros orteil, etc., etc. Et donc ils ont dit, ah, on recommence quand vous voulez. Donc voilà. Et Est-ce que après, ce n'est oui? pas trop étonnant parce qu'une pression, plus tu vas augmenter sa surface, plus tu vas activer le parasympathique et tout ça. Donc, au final, si tu fais un shiatsu qu'en empommage, On va il y jouer a. sur le. Alors, le rythme est très important, en fait, dans Voilà. la pratique, que ce soit dans le Sokuhatsu ou dans le Shiatsu. Le rythme, la profondeur des pressions, comme dit Pierre, en effet, vont impacter l'intensité, si vous voulez, que l'on va avoir, la répercussion qu'on va avoir sur le système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, notre but est toujours de viser le parasympathique, puisque c'est lui qui active la digestion. Et activant la digestion, donc c'est l'absorption des nutriments et donc la meilleure nutrition possible de l'ensemble de l'organisme. Juste par rapport au Sokuhatsu, on va chercher aussi beaucoup le drainage en fait des tissus, puisque pour obtenir une pression profonde en shiatsu, il faut vraiment y aller. Il faut y aller avec le poids du corps et à la limite avec le pied. On aura moins d'efforts à faire puisqu'on est Oui. debout. Et on se sert aussi du transfert du poids du corps. On a des pressions qui sont
vers la profondeur, mais on a aussi des pressions qui sont en friction, qui resteront tangentielles. Et ça, c'est la différence de ce que l'on n'a pas normalement avec le shiatsu, puisqu'on doit toujours être vers la perpendiculaire. Pas toujours, mais bon. Oui, je suis d'accord, puisque dans ces tailles, dans le fixé de ces tailles, on a des pressions qui sont tangentielles aussi, en effet. Alors, Moi, est-ce que vous... Oui? Laure, c'est Oui, moi. Laure. J'ai une petite question. Tu parles de myo énergétique et tu Oui. dis que c'est le fait que ça écrase, tu veux dire c'est les fameux 5 kilos, c'est que c'est quelque chose de trop puissant, c'est Ah ça? non, 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 c'est pas 5 kilos. On a tout le poids du corps sur la surface du pouce. Et Ah, c'est tout le d'accord. poids du corps. Parce que j'ai déjà vu Iwaoka pratiquer. Et c'était sur un bâton qui était gros comme mon doigt. Et avec les deux mains en train de tenir le bâton. Et de faire la pression sur le muscle. Donc en gros, il était en train de faire des pompes sur le poing. Donc cette intensité dépassait très largement les 5 kilos. Et ça lèse vraiment les muscles. Ça fait des déchirures musculaires. Il faut savoir que quand vous contractez les muscles, bon, c'est lié à l'anatomie, les muscles ont... Les fibres musculaires, ce sont des petits harpons, si vous voulez, je schématise, qui se plient et qui se relâchent. Et en fait, ces petits harpons, déjà, se cassent lors d'une contraction musculaire. Donc, après une activité, par exemple, ceux qui font de l'haltérophilie le savent, ils doivent manger des protéines pour reconstruire leurs fibres musculaires. Donc, en gros, dès que vous faites un effort, nos muscles doivent cicatriser. D'accord. Ben, si cicatrice, la phénomène de cicatrisation est basé sur de l'inflammation. Donc, au bout d'un moment, on a les muscles qui deviennent fibreux. Un muscle que l'on va léser, c'est un muscle, même par des pressions, qui va vieillir beaucoup plus vite. Parce Et que où plus il y a... l'intérêt technique pour lui, c'est lui qui l'a inventé et il pense que c'est efficace parce que Ben ça, pour... les gens ne peuvent pas beaucoup apprécier non plus. Ben c'est un peu violent quand même. Hein. Moi, j'ai fait la formation parce que je voulais voir un petit peu, j'essayais d'explorer, j'étais à la recherche un petit peu de réponses pour connaître un petit peu ce que pouvait apporter d'autres styles de shiatsu, etc. Donc j'ai fait la formation et... Bah, c'est pas hyper agréable, je trouve, à ressentir, bon, même si je cherche l'efficacité, mais par rapport à l'intensité, je trouvais que oui, c'était lésant. C'était vraiment lésant. Avec en plus un risque par rapport au système ostéo-articulaire en cas de fragilité et tout et tout. D'accord. Donc la puissance n'est pas probante pour c'est pas un gage de réussite, je veux dire, le fait que ça soit. La puissance, donc l'intensité en un point précis, pour moi, ne doit pas dépasser le stade de la lésion tissulaire. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça n'engage que moi de tenir ce discours, hein. Je ne détiens pas la vérité, mais bon, voilà quoi. Ça fait des bleus si on Voilà. est À d'accord. partir du moment où on a un bleu, c'est qu'en fait, on a déchiré quelque chose. D'accord, c'est le signe alors, d'accord. Oui. Enfin, il faut essayer de s'arrêter avant quand même. D'accord. Donc, est-ce que je pensais faire une partie de la formation? Et en effet, j'étais intéressée. Ma limite, c'est que moi, je déteste souffrir et faire souffrir. Je me suis dit, ça se trouve, ça va pas être compatible. Et. Je crois que tu as peut-être eu ta réponse ce soir. Mais bon, il y a quelqu'un qui a dit, si, c'est très intéressant parce que c'était efficace. On m'a dit que c'était efficace pour enfin, des gens qui ont jamais, qui connaissent pas le shiatsu, qui sont tombés chez lui et qui ont dit, personne n'arrivait à rien et lui, il a réussi. Mais il faut souffrir et se taire. Alors, j'ai dit, moi, c'est pas ce que je fais, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Je pense qu'il a peut-être fait une formation en Russie et que ça doit plaire qu'aux Russes. Au Japon, c'est comme ça, hein, je crois. Au Japon, ils sont. Alors, au Japon, alors voilà, ça c'est un autre problème, c'est que en fait, le shiatsu que nous pratiquons, je pense qu'il n'est pas pratiqué à l'intensité japonaise parce que déjà nous n'avons pas la même tonicité musculaire. Donc déjà l'intensité, notre tonicité est un peu plus supérieure à la tonicité musculaire de la majorité des Japonais. Donc, ils peuvent encaisser, en dehors de leur mental, ils peuvent encaisser des pressions qui sont plus fortes. D'accord. Leur tonicité est supérieure à la nôtre, ça veut dire Non, c'est l'inverse. inverse. C'est D'accord. l'inverse. Ah. Et donc, déjà, même nous, notre tonicité, si vous voulez, sera inférieure à des personnes. Alors, je suis désolé d'utiliser ce terme-là, mais des noirs, par exemple. Les noirs ont des muscles qui sont beaucoup plus toniques encore que nous. D'accord.
Donc, déjà, entre plusieurs types de populations, si vous voulez, nos pressions doivent être adaptées en fonction du résultat. Donc, Et c'est plus pour ça c'est... que l'écho du tissu va être très importante, de la verbalisation de la personne. D'accord. Et donc tu dis que plus on est tonique, plus le muscle est tonique, plus la pression doit être faible. Ça dépend de la demande de la personne. Mais toujours pareil, plus la personne est tonique, plus on va rencontrer la résistance des fibres musculaires. Ah, d'accord, c'est la résistance qui fait, d'accord. Donc c'est... Voilà. Par contre, toujours pareil. Donc, par ordre de puissance, on utilisera une puissance entre guillemets faible si on veut travailler sur le système lymphatique. D'accord. Ensuite, une puissance un peu plus importante si on veut travailler sur le système circulatoire. Puis un peu plus importante si on veut travailler sur le système musculaire. Quand il s'agira de mobiliser éventuellement une articulation, parce que c'est ce que l'on peut faire, hein, comme je vous ai dit, avec le kinésithétique, on peut mobiliser les vertèbres, par exemple. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, la pression, elle est directionnelle, on la dirige dans un sens, etc. Ouais. Et puis, pareil, une intensité, ben là, qui est en fonction de ce que l'on repère de la mobilité, si ça résiste, résiste pas, etc. D'accord. Alors, je vois qu'il y a Anne et Pierre qui posent des questions, mais alors là, je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Le tekiatsu, et je ne sais pas ce que signe, comment ça se prononce. Le wei qi liao fa, qu'est-ce que c'est que ça? Pierre, veux-tu Oui, t'expliquer, s'il te plaît? c'est le qigong médical, ce qu'ils appellent le qigong médical, qui est en fait, pour moi, pas du tout du qigong, mais voilà, c'était C'est à juste pour distance? voir. Oui, tu sais, c'est. Attends, 2 secondes, je remets. J'ai une mauvaise connexion, donc j'enlève la vidéo. C'est les mouvements où on va. À distance, envoyer Travailler l'énergie, à etc. distance, c'est que la personne, elle va Il y a, ressentir oui. les choses et tout ça. C'est ça, il n'y a pas de contact Il entre. n'y a pas de contact. Non, mais c'était juste une boutade. Oui. Ben, mon avis, ben, écoute, déjà, je ne pratique pas. Et ensuite, ben, à la limite, tant que je n'ai pas essayé, je suis toujours Saint Thomas. Donc, tant que je n'ai pas ressenti les effets, je ne peux pas dire que ça marche. Je suis très prudent, je dirais, donc je ne peux pas donner mon avis. Voilà. ensuite, Loïc, le Kinsei, non, c'est le Kinsei Setai. Le Kinsei, c'est Kinsei, et Setai. Et c'est Seitei. Le Kinsei Setai. Je vais vous l'écrire, ce sera peut-être plus simple. Et hop là, je fais une faute. Voilà, Kinsei Setai, je vous l'ai écrit dans le chat. Ah non, j'ai écrit à Gilles. Ah, désolé Gilles, je t'envoie le message. Alors, à tout le monde. Voilà, comme ça, ce sera plus Non, simple. mais Ludovic l'avait bien marqué. Ah, j'ai pas vu passer le Juste en message. Ah dessous. oui, c'est très bien, Ludovic. Merci, Ludovic. Alors, on me parle des fascias. Alors, les fascias, bah, écoutez, je ne connais pas bien cette. Pour ainsi dire, je ne connais pas vraiment les applications par rapport à cette technique. Moi, je trouve que maintenant, j'arrive à un point où j'ai suffisamment d'outils, si vous voulez, pour prendre en charge une personne complètement. Donc, les fascias, je ne vais pas m'orienter par rapport à ça parce que j'ai trouvé, je pense, la plupart de mes réponses dans les techniques complémentaires, ce que j'appelle complémentaires en shiatsu, et les techniques complémentaires telles que je dis, le qigong, le sokuhatsu, le sotai et ce genre de choses. Donc, à la limite, si je dois faire une autre formation, ce sera plutôt par connaissance personnelle. Voilà. Mais les fascias, donc, je ne connais pas bien par rapport à ça. Et pourtant, il faudrait. Pourquoi il faudrait? Parce que c'est, à mon sens, c'est ni plus ni moins que tout le système énergétique chinois qui est lié, quoi, qui est. En fait, Lié à la version occidentale. ils ont décrit, ils ont. Alors, ça, encore une fois, ça n'implique que moi, mais à mon avis, ils ont décrit le système,
toutes les propriétés, la tenségrité, l'occlétisme et tout ça, du fascia, ils l'ont décrit avec les mots qu'ils avaient à leur époque par le biais des méridiens et de l'énergie, quoi. Oui, Mais ça on c'est est. possible parce que pour moi, si j'ai une vision similaire, bon, sans parler des fascias, mais pour moi, parler d'énergétique chinoise, je me demande à la limite comment ils ont pu avoir l'idée alors qu'il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas différencié le système nerveux végétatif du système nerveux central. Comment c'est pour moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir eu C'est ces magique. intuitions, ce genre de choses, alors qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire. Donc déjà, ça c'est. Oui, Ludovic. Si je peux me permettre, j'utilise pas mal le Kinsey Seta aussi en cabinet, et on l'enseigne à l'école. Et en fait, moi, je trouve que l'utilisation des fascias et des triggers, c'est un très bon complément justement au Setai. Parfois, on sait que les gens, quand ils sont très bloqués, des fois, l'après-séance Setai peut être un peu dur à vivre parce que quand ça travaille pendant 1 ou 2 jours, ça peut être un petit peu délicat. Et sur les personnes très coincées, moi, j'aime bien commencer par un travail, on va dire, plus ciblé sur les triggers et sur les fascias, qui permet déjà de bien préparer la surface, justement pour après faire un setai qui sera, on va dire, mieux vécu par la suite. Parce que le setai, enfin, je sais pas, toi, c'est une question, est-ce que des fois, t'as pas des réactions, le temps que ça travaille, des réactions qui sont un petit peu violentes, quoi, des effets rebonds un petit peu costauds derrière? Alors c'est tout à fait normal puisqu'en fait la personne qui vient est dans un déséquilibre. Donc ça veut dire que par exemple les muscles, je vais schématiser, les muscles à gauche sont plus contracturés que les muscles droits. Donc nous ce que l'on vise c'est de faire en sorte que les muscles rééquilibrent la posture. Donc on va faire notre technique. Donc les deux muscles vont être maintenant de même longueur, ils vont impacter. Mais il y en a un qui est épuisé par rapport à l'autre. Et les déchets, l'acide lactique n'a pas été éliminé. Donc en effet, c'est comme si vous aviez fait du sport. On peut avoir des contractures pendant 2, 3 jours. Bon, moi je préviens toujours les personnes à qui je vais faire une séance. Éventuellement, demain, vous pouvez ou après-demain, vous pouvez avoir un effet rebond. Alors moi par contre, donc toi tu utilises les trigger points. Moi je vais utiliser le sautail. Donc, je ne vais pas faire un travail direct. À la limite, déjà, ça c'est mon choix, pour préserver la zone, pour ne pas faire d'autres informations, vu que c'est quand même proprioceptif et mobilisation, etc. Pardon. Et donc, je vais faire un travail plutôt à distance. Mais voilà, mais ça reste mon choix, ça, mon choix technique par rapport à ça. Et j'en profite du coup pour se poser la question. Tu t'es formé où en Sokoatsu? Parce que moi, c'est quelque chose qui nous, enfin, nous à l'école, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. On a prévu un voyage là à la fin de l'année pour aller justement au Japon se former. Et parce que ben, on a la même déduction que toi, c'est-à-dire on commence à suivre des sportifs. Donc moi, de mon côté, c'est des rugbyman. Et effectivement, effectivement, parfois, je sature un peu. Alors, j'utilise les coudes, les genoux, mais le Sokoatsu, voilà, ça prend tout son sens pour moi. Et donc, par curiosité, c'est auprès de qui que tu t'es formé? Alors, là, j'ai un blanc. C'est Gigi. Gigi, aide-moi. Akiyatsu? Non, non, non. C'est le premier qui a fait la formation. C'est Daniel Minini qui nous a fait la formation. Et c'était. Ah, c'était Omi? Oui, Oui, voilà, c'est Omi. ça, c'est Ah, C'est ça, ok. Omi Sensei. D'accord. Merci, Gigi. Omi Sensei. C'est Ok. avec lui que j'ai fait la formation. Donc, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et je préfère cette formation-là parce qu'en fait, il nous avait proposé, Daniel, de faire la formation avec les bambous. C'est-à-dire qu'on Oui. se tenait avec les cannes. Et bon. Oui. Je préfère un peu plus puriste, mais je ne sais pas si Omi continue à faire la formation ou pas. Parce qu'à un moment Ouais. donné, il a arrêté. C'est ça, apparemment, il s'est mis en retrait. Nous, on part avec Tanikawa Sensei, Non, je ne connais pas. voilà, qui apparemment développe ça très, très fortement au Japon, notamment parce que ça permet de travailler à un âge avancé. Et parce que, bon, il travaille au Japon, il travaille beaucoup plus tard que nous. Et donc, il a pas mal d'élèves qui continuent à travailler, qui basculent du shiatsu vers le sokoatsu. Justement par le fait qu'on est beaucoup plus puissant avec le pied tout en étant toujours avec une précision et une douceur, voilà. Et donc Tout à c'est fait. surtout, voilà, c'est donc je voilà, c'était des petites questions
En attendant de découvrir ça à la fin de l'année, quoi. C'est Voilà. ça, ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. D'accord, super. Bon, ben, merci. Bah écoutez, là, moi, je crois que j'ai fait le tour à peu près des techniques dont je pouvais vous parler par rapport à ça. Alors, pour moi, une technique complémentaire, déjà, est-ce que, voyons, on va voir un petit sondage. Est-ce qu'il y en a qui, du coup, après ce que je viens d'expliquer, seraient intéressés par justement une technique complémentaire? Voilà, déjà, est-ce que ça vous... Moi, le sétail, ça me branche bien. Sétail et sautail, ça me branche bien. Donc déjà, Oui, moi aussi. d'accord. Bon, mais déjà, c'est positif. Il y en a à qui ça parle et je vois, oui, il y a des réponses qui apparaissent là dans le chat. D'accord. Moi aussi pour le sétail. Et moi, je l'ai appris à l'école une base, mais je ne me suis jamais lancée parce que je ne me sentais pas légitime au début entre le shiatsu et le sétail. Et à dire, oui, je vais faire une formation complémentaire. Et je l'ai reçue dernièrement. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, je confirme, parce que moi j'avais des jambes totalement de travers et je vais avoir 56 ans et des jambes droites. Donc c'est quand même assez merveilleux. Mais c'est lourd d'ici. Alors, je vois qu'en fait, c'est plutôt positif en fait par rapport à ça. Par contre, voyez, vous dites éventuellement que vous êtes intéressé par une formation. Mais alors, une formation complémentaire, déjà, ça veut dire qu'éventuellement, vous partez avec déjà des prérequis, c'est-à-dire que vous avez votre formation, vous avez déjà des connaissances. Donc, pour moi, une technique complémentaire, ça peut s'apprendre suivant la technique, entre guillemets, de 3 à 4 jours de formation. Mais ça demande quand même de ne parler que de ça durant cette formation-là. Mais est-ce qu'on peut la pratiquer après 3 à 4 jours d'apprentissage? Ben, je dirais déjà, il faut pratiquer. Donc, dès que vous avez arrêté la formation, il faut faire. Il faut faire, il faut nager dedans, il faut utiliser cette technique-là, parce que si vous ne l'utilisez pas, vous allez perdre justement déjà les principes, le geste technique et ce genre de choses. Donc, oui, en effet, je ne sais plus qui a parlé, parce que j'ai tellement d'écrans là devant moi, je ne sais plus qui a parlé justement qui a reçu la formation en sétail et ne l'a pas pratiquée relativement rapidement, on va la perdre. Parce que cette technique est quand même un petit peu complexe dans la théorie, dans l'analyse, la compréhension. Et le geste technique, dans le niveau 2, demande quand même de la maîtrise. Alors, Donc, c'est quelque chose qu'il faut compter 4 jours à peu près maximum de formation, que ce soit pour le sautail ou pour le sétail. Pour le kuretake, vous devez déjà pas mal apprendre. Mais après, ça permet de faire et d'aborder toutes les pratiques. Et il ne faut pas hésiter à exposer et à se poser la question et à remettre en question ce que l'on peut proposer à la personne avec notre profession de base dans le shiatsu, dans le sens, voilà, j'ai toujours l'habitude de moi de faire du ko. Non, je vais prendre la personne, je vais dire, ah, est-ce que par rapport à sa demande, je ne peux pas utiliser une technique complémentaire parce que ça va me permettre de gagner en efficacité. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Par contre, les techniques complémentaires peuvent avoir des avantages et des inconvénients. Les avantages, comme je vous ai dit, c'est déjà des compétences supplémentaires. Ce sont des outils multiples qui vont vous permettre d'obtenir des résultats plus efficaces. Ça vous permet de prendre en charge tous les problèmes et en même temps, ça vous permet de développer votre aspect personnel, si vous voulez, de la profession. Par contre, inconvénient, c'est comme vous allez développer votre aspect personnel de la profession. Il y a toujours le risque que vous empiétez sur d'autres professions. Et ça, c'est un risque d'empiétement sur un champ de compétences et il faut faire très attention. Donc, par exemple, quand j'utilise le Kinsei Setai, je ne vais pas dire que je fais des manipulations. Par contre, je ne peux pas dire que je ne travaille pas sur la posture puisque c'est tout à fait ce que je fais. Donc, j'utilise un rééquilibrage postural et c'est de la proprioception que je fais. Mais c'est pour ça que je peux utiliser. Je peux dire que ça se rapproche éventuellement d'une vision ostéopathique, puisque l'ostéopathie, c'est ça, c'est rééquilibrer le corps, sa posture dans l'espace.
mais via une autre technique, et ce n'est pas de l'ostéopathie, puisque je n'utilise pas les mêmes gestes. Donc c'est là qu'il faut faire attention, on est un peu borderline par rapport à certaines techniques que l'on peut utiliser. On est aussi praticien de shiatsu ou spécialiste en shiatsu, donc en fait, on doit faire du shiatsu. Si je propose des services, par exemple, une séance de sotai, voilà, je vais faire une séance de sotai, ça va être un service que je vais facturer. Et là, ce n'est plus une profession. Dans ce cas-là, je suis un vendeur de services, c'est un autre inconvénient. Donc pour moi, en fait, le sotai va être un complément de ma séance de shiatsu. Du coup, ça, c'est juste un côté administratif par rapport à ça. L'autre inconvénient qui, en fait, pour moi, n'en est pas un, c'est que je vais dire, je ne pratique pas un shiatsu. Je vais dire, je vais pratiquer le shiatsu. Dans le sens, ma pratique du shiatsu, ce n'est plus du koho pur, ce n'est plus du hara pur, ce n'est plus du kure-take pur, etc. Je fais une prise en charge de la personne par le shiatsu. Et j'utilise des outils qui sont la technique de Koh, la technique du kure-take, la technique de kinsei-setai, la technique du hara, etc., etc. Donc, si vous voulez, j'ai développé ma propre technique de shiatsu basée sur des outils. Voilà. Et donc, les techniques dites complémentaires sont des outils qui me permettent donc d'avoir développé ma propre pratique du shiatsu. Mais je ne prétends pas avoir créé ma technique de shiatsu. Ce que j'enseigne, c'est la technique sur le koho, le kinsei-setai, etc. J'apprends chaque technique et après chaque personne, en fonction de sa formation de base, en fonction de des problématiques qu'elle rencontre, va développer sa propre pratique. Alors, il y a juste quelques petits messages. Alors, Christina qui demande comment rassurer les ostéopathes et les kinés. Mais on ne fait pas la même chose. Je peux le dire, je suis kiné. En tant que kiné, je ne peux pas répondre en fait à tout avec la kiné. Donc, du coup, j'utilise en fait le shiatsu pour ça. Les ostéopathes, mais on ne fait pas la même chose. Les ostéopathes vont travailler sur des manipulations, ils vont utiliser du tracking, des trusts, ce genre de choses. Moi, je ne fais pas ça. Donc, moi, je vais donner des informations au corps via, par exemple, des tubos, via des points, via des pressions qui sont localisées. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Ensuite, il ne faut pas hésiter à dire, hein, écoutez, choisissez, vous pouvez aller voir votre ostéopathe, ce n'est pas du tout un problème. Moi, je peux vous proposer ceci et cela. Donc, normalement, il n'y a pas d'empiètement. Clotilde, si tu es toujours là, oui, tu es toujours là. Donc, tu demandes, en fait, si j'aborderai l'une ou l'autre de ces techniques lors des rencontres, shiatsu, sport, arts martiaux, etc. Donc, oui, dans ce que je vais proposer, en fait, sur le travail musculaire, on va parler du kure-take et comment, justement, traiter tout ce qui est fibrose musculaire, aborder le drainage lymphatique, le système circulatoire, comment régler ce genre de choses. Tout à fait, ce sera abordé à ce moment-là. Et pour ceux qui connaissent le kure-take, oui, vous reconnaîtrez des gestes de kure-take. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez des questions, est-ce que des choses par rapport à tout ce que je vous ai exposé sur les techniques complémentaires ou d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Oui, alors. Tu parlais du do-in comme technique complémentaire. Oui. Do-in, donc, c'est toujours en groupe ou toi, tu le pratiques avec une personne éventuellement? Alors, le do-in, pour moi, donc déjà, je peux faire un cours collectif, mais un cours collectif sera plus ciblé à une dynamique de groupe. Dans le sens, je peux avoir un groupe ciblé, par exemple, des personnes, je dis n'importe quoi, mais des personnes qui vont avoir des problèmes de dos par rapport aux lombalgies, par exemple. Et je dois tenir compte de tous les paramètres, puisque le do-in, ça prend en compte tout ce qui est réflexe énergétique, musculaire, articulaire, digestif, etc., etc. Puisque les problèmes, la posture du dos va impacter tout ça. Les émotions, parce que vivre mal les douleurs. Quoi. Donc, je peux cibler un groupe thématique. D'accord. Deuxième possibilité, lors d'une prise en charge par le shiatsu, où je peux éventuellement faire une séance de gymnastique, on va dire, version do-in,
pour dire, voilà les exercices que vous pouvez faire. Donc, d'abord, vous les répétez avec moi, on les fait ensemble, et après, vous le prenez en tant que cadre d'hygiène de vie, vous reportez à la maison. C'est là ce que je vais appeler une technique dite complémentaire. Voilà, c'est ce que j'entends par ça. D'accord, ok. Donc, tu fais des formations d'Oin toi-même. Tout à fait, tout à fait. Et tu fais les différents types de... Tu proposes différents types de Douyin adaptés à différents publics, du coup. Alors, non. En fait, dans le Douyin, déjà, j'apprends aux élèves à comprendre ce que c'est que le Douyin, sur quoi ils vont travailler. Sur les bases, sur Douyin, que l'on peut faire le matin, quelles sont les visées recherchées, quelle est la cible visée, ce qui est très important avec toutes les techniques complémentaires. Il faut savoir ce que l'on veut obtenir. Donc, essayer de comprendre pourquoi le matin on va faire plutôt tel geste, etc. Et essayer de comprendre, d'analyser chaque geste. Donc, ce n'est pas le geste en lui-même qui est le plus intéressant, parce qu'après, je pourrais mettre n'importe quoi, lever le petit doigt, tant que le petit doigt, j'ai compris pourquoi je le levais. D'accord. Merci. De rien. Alors, comment, Karine demande, comment peut-on devenir animateur de Douyin? Eh bien, en faisant la formation d'animateur de Douyin. Tout à fait. Mais ça, en fait, il faut se rapprocher d'écoles qui sont proches de chez vous pour faire cette formation. Donc, ben, moi, je fais la formation, mais je suis proche de Nice. Pierre, lui, est proche de Marseille. Après, ben, Gilles, lui, il est dans le couloir vers la zone qui est très venteuse. etc etc donc il faut voir en fait s'il y a des formations proches après il y a l'IFSDA aussi qui propose des formations oui tout à fait alors il y a justement tu fais bien d'en parler Pierre, merci beaucoup donc oui en effet il y a l'IFSDA qui propose des formations donc soit il vous propose un stage en présentiel, soit pour certaines choses, ils vous proposent une formation en e-learning. Donc ça, vous pouvez essayer de regarder. Par exemple, pour le Kinsesetai, bon, ben, moi, j'ai proposé la formation, donc pas l'IFSDA, c'est via le SPS que j'ai proposé cette formation. Pour le Sotai, c'est via l'IFSDA, par exemple, voilà, que c'est proposé. Donc, vous pouvez consulter le site du SPS, vous avez des stages, vous avez sinon l'IFSDA et vous regardez les tableaux. Alors, juste pour l'IFSDA, il faut juste savoir qu'il y a deux adresses mail, il ne faut pas se tromper, deux adresses de site, si vous voulez, il ne faut pas se tromper, il y a une adresse qui est juste la plateforme de formation en e-learning, et l'autre adresse, c'est celle qui référence en fait les stages qui sont en formation. Mireille, si tu peux juste, s'il te plaît, préciser l'adresse qui référence les stages et pas l'adresse de la plateforme. L'adresse, c'est. Si tu peux la marquer, tu peux la marquer dans le chat. Attends, je vais la marquer. D'accord, merci beaucoup. Oui, donc Anne, oui, le SPS propose aussi une formation en Douyin. C'est pas le SPS qui propose, ça doit être un enseignant qui a renseigné comme quoi il proposait une formation en Douyin et le SPS l'a affiché. Voilà, oui, c'est une formation avec un ostéopathe, justement. Anne-Béatrice Legge. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, il y a des gens qui nous quittent, donc je dis merci, je dis au revoir à tous ceux qui partent, voilà. Moi, je reste encore. Moi, non, je vous dis un grand merci parce que c'est exactement l'image que j'ai du shiatsu et que j'ai commencé à me faire effectivement avec des formations complémentaires. Mm-hmm. Et ça me conforte vraiment dans mon idée pour la prise en charge des personnes qui viennent nous voir et c'est vraiment super. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bon, ben écoutez, s'il y en a qui sont intéressés par les formations, ben je vous le répète. Attendez juste que Mireille ait noté l'adresse. Oui, et puis associée. Voilà. Et comme ça, vous pouvez aller consulter le site. Et puis, ben écoutez, s'il y en a qui sont intéressés, ben, contactez par exemple le SPS ou les FSDA.
puis bon, sinon, ben, si vous avez d'autres questions que vous pouvez me poser, moi je suis joignable. Hein. Mon adresse mail est très facile, c'est grimomarc@gmail.com. Et il n'y a pas plus simple. Et si vous avez des questions par rapport à des problèmes de prise en charge, ben, voilà, je peux répondre à vos questions. Je suis joignable, de préférence par mail, parce que c'est plus pratique pour moi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'était très intéressant. Ça donne une vision plus globale de tout ce qui existe. Ben oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'on a besoin de s'ouvrir en fait et de rester curieux et puis de réfléchir en fait à ce que chaque technique peut nous offrir. Ouais. Voilà. Merci. De rien. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Je ne sais pas où est passé Daniel. Daniel est en train de boire son Ricard déjà. Il a noyé de glaçons. Bretagne, ce n'est pas le Ricard. Hein. Ah, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Ah ouais. C'est le lambic en Bretagne. Tu as l'air de bien connaître, dis donc. Bah, je suis bretonne, hein, donc forcément. C'est pour ça que je dis ça. Donc, la vidéo, si jamais vous voulez revoir, elle sera mise sur le site, si ça ne te dérange pas. Pas Marc, du tout, pas du tout, du tout. Sur l'espace membre, toujours, du site SPS. Si, voilà. Voilà, ben merci, et puis rendez-vous aux rencontres alors, Marc. Oui, ben, tout à fait, puisque donc je serai aux rencontres, donc j'aurai le plaisir de faire souffrir les muscles, d'essayer de faire ce qu'on peut pour les muscles, et notamment pour les sportifs. Donc, j'espère qu'il y en aura pas mal de sportifs. J'espère aussi, oui. Comme ça, au moins, ils pourront expérimenter aussi, parce que intégrer une technique, c'est déjà pouvoir bénéficier, en fait, de l'effet, et se rendre compte que ça marche. Voilà, et du coup, c'est ça qui motive pour apprendre. Très bien. Bon, ben, voilà. Bientôt. Bien. Donc, au plaisir de vous voir aux journées aux rencontres du SPS. Très bien. 15 et 16 juin. 15 et 16 juin, voilà. Allez. J'aurais dû sortir la banderole. Oui, c'est vrai, j'aurais dû. Allez. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye. Au revoir.